Hey, what's up les potes? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de Liquid Divinum. Alors en fait, j'en avais collecté 100 le week-end dernier avec le double XP, donc 100 Liquid Divinum. Et je m'étais dit, je vais les garder pour essayer de choper les nouveaux Gobblegum qui vont arriver avec Zetsubou no Shima demain. Et finalement, j'ai vu que j'avais pas assez d'accro des atouts, il m'en reste plus qu'un seul. Et je me suis dit, c'est pas assez, et si j'attends demain pour essayer d'en avoir demain, donc du coup, il y aura plus de Gobblegum, et ça me fera beaucoup moins de chances de récupérer des accros, des atouts. Du coup, je me suis dit, je vais ouvrir 50 Liquid Divinum aujourd'hui, et demain, j'en garderai 50 pour essayer de choper les nouveaux Gobblegum. Donc allez, c'est parti les gars. Le but, ça va être vraiment de looter un maximum d'accros, des atouts aujourd'hui. Donc allez, c'est parti, on va dans l'usine du Dr Monty, on va les ouvrir par 3. On va essayer d'aller assez vite, parce que voilà... Hop, donc assoiffé, marche des zombies, zone de rampant. Bon, ça c'est pas terrible, terrible du tout. Hop, allez, ça les envoie. Assoiffé encore, ouais, même pas, c'est pas terrible. Limite, j'aimerais plus avoir des caisses à 10 balles. Ok, munitions, arrière-goût, la chance me sourit. Bon, pas terrible du tout pour l'instant. Allez, 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 allez. Ça va vraiment faire pas mal quand même. Même 50 liquides divinum, je devrais avoir pas mal. Ok, donc là j'ai eu les caisses à 10 balles, liquidation mana, ouais, après marge des zombies qui tient les scores, bon ça c'est pas terrible, terrible. Allez. Accro des atouts, on a chopé un premier accro des atouts les gars, donc là franchement, franchement ça fait plaisir, je vous dis, je vous mens pas, ça me fait plaisir. Voilà, en plus j'avais fait le coup en fait, j'en avais vraiment pas mal avant, et j'avais oublié de quitter de me déco à la fin de la partie, du coup j'avais tout perdu dans une partie. Retour de flamme, la chance me sourit, bon ça c'est pas terrible, marche des zombies, je m'en fous un petit peu. Allez, on a chopé un accro des atouts, j'aimerais bien en choper encore, allez, allez, 2 ou 3, on va dire 2 ou 3. Allez. Donc pour l'instant, ouais, balle en tête, rabat-joie, entrepreneur agréé, ça c'est pas terrible du tout. Il y a des Gobblegum, franchement, ils servent vraiment pas à grand chose comme le marteau là, pour reconstruire les barrières. C'est un truc, je comprends pas. Là. Ok, deux améliorations éphémères, nouveau tour. Là, c'est pas phénoménal non plus. De toute façon, je vais vous dire, il n'y a rien qui est phénoménal à part accro des atouts. C'est tout, vraiment tout ce qui vaut le coup, il n'y a rien d'autre qui vaut le coup. Retour de flamme, rabat-joie, piège fatal. Bon, allez, allez, allez. D'ailleurs, vous avez pu voir, les gars, j'ai mis la casquette Walking Dead. Je suis prêt pour la nouvelle map zombie demain. J'ai mis ma petite casquette de Walking Dead. Allez, c'est parti. Prise murale, moi. Phoenix, à la limite, c'est pas mal qu'on veut faire un secret. Donc, ça, à la limite, je suis assez preneur du Phoenix. Mais j'en ai. Il me semble qu'il m'en reste pas mal encore. Allez, on va continuer à ouvrir. On en a déjà ouvert 30. Ça va assez vite, hein. On rase gratis, balle en tête, arrière-goût. Allez, au moins un autre. Au moins un autre. Alors. Allez. Ah, double phoenix, double rase gratis. Bon, ça c'est pas trop mal. Il y a pire. Il y a pire comme Gobblegum. J'aurais bien aimé avoir un... Là, j'aurais eu le truc avec ça, quoi. Accro des atouts avec le double, là. Pff, j'aurais été refait, les gars. Ok, pas terrible, terrible du tout. Il y a des Gobblegum, je les utilise vraiment jamais, quoi. J'en avoir la blinde. Enfin, quoique, je pense que vous qui jouez peut-être plus en zombie que moi, vous devez en avoir encore plus que moi. Prise murale, cachotterie, arrière-goût, ouais, c'est pas terrible non plus, putain. On est loin d'avoir des trucs phénoménales, là. Bon, on en a eu un, mais bon. On aimerait bien en avoir d'autres, quand même. Allez, allez, allez. Marche des zombies, donc je vais encore ouvrir, allez, deux. Je vais encore en faire deux à trois, et puis bon, on en a eu un. Pour le moment, on espère en avoir, allez. Encore, après je vais garder 51 liquides du coup pour... Non, ça fait 52, pardon. 52 liquides, ah, liquidation, immolation. Double récompense, du coup on les a par deux, c'est ça. C'est ça, donc ça c'est pas mal du tout, par contre j'aime bien les caisses à 10 balles. Ça évite qu'on lance un run de devoir relancer parce qu'on n'a pas les singes ou quoi. Et tant à tuer, prise murale, et ben c'est pas terrible du tout. Alors j'espère que je vais réussir à en choper dès demain, dès que le DLC sort, je vais ouvrir directement mes liquides divinum pour essayer de choper les nouveaux Gobblegum. Et les gars, j'allais couper la vidéo, j'ai complètement oublié de vous montrer mes Gobblegum. Donc allez, on va aller faire un petit tour dans mes packs de Gobblegum quand même. Alors, personnaliser pack, voilà. Hop, je sais plus comment on fait, voilà. Donc, alors là, c'est les méga, donc les classiques, on s'en fout.
Les méga, vous voyez, du DLC 1, il y en avait quand même 1, 2, 3, 4, 4. Donc là, on peut s'attendre à ce qu'il y en ait encore 4 qui vont sortir demain, je pense, au niveau du DLC 2. Vous voyez, Accro des Atouts, j'en ai 2. Bon, après, il y a des trucs que j'ai beaucoup, que j'utilise vraiment jamais. Ça, je l'utilise, hein, Liquidation Immolation, j'utilise beaucoup. Et puis voilà, après, c'est pas énorme. Voilà, les autres, vraiment, je les utilise pas beaucoup, beaucoup. Voilà, dites-moi, vous, quel Gobblegum vous utilisez? En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. On se retrouve donc dans la semaine pour l'ouverture de mon nouveau, donc des nouveaux Gobblegum. Je ferai la vidéo demain. Par contre, je pense que je la sortirai plus tôt, courant de la semaine. Et j'essaierai de vous faire une vidéo dans laquelle je vais essayer les nouveaux Gobblegum. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cet opening vous a plu. Je vous dis à très bientôt, les potes. Bonne journée et prenez soin de vous. Tchuss!